Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'hypnose. L'idée est de vous accompagner pour vous endormir, vous détendre un moment. Alors, on commence? Je vous laisse vous installer confortablement. Trouvez la position qui vous convient, au mieux pour vous, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, pour trouver facilement cet état de détente. Et simplement, laissez les yeux se fermer, pour y voir plus clair à l'intérieur. Comme si vous dirigez le phare de votre conscience sur vos mondes intérieurs. Une nouvelle aventure qui s'offre à vous, vers les paysages à découvrir. Les paysages du sommeil. Ainsi, comme vous le savez, nous disposons d'un inconscient. Cette partie de nous-mêmes qui fonctionne toute seule, notre ami intérieur. Celui qui nous permet de respirer sans vraiment y penser. Faire battre le cœur, régulier. Gérer toutes les choses dont vous ne vous préoccupez pas en temps normal. Et peut-être avez-vous remarqué, votre respiration est déjà plus apaisée, détendue, calme. Et je me demande, quelle est la dernière partie de vous qui se détend la dernière? Est-ce que ce sera un doigt? Une main? Le pied peut-être? Les muscles? Et en attendant que tout ça se fasse, vous, la partie consciente qui écoute la voix qui accompagne, vous pouvez laisser tout ça s'installer pendant que votre inconscient lui garde seulement le positif de la séance et trie en vous les ressources nécessaires pour trouver vos chemins de lumière. Car, consciemment, nous avons une certaine logique et l'inconscient, lui, a sa propre façon de faire. Et, même si consciemment, vous n'écoutez pas tout, à un autre niveau, l'inconscient entend et se charge pour vous d'apprendre et intégrer. Car, dans cette expérience, vous, consciemment, vous pouvez rester à observer pendant que votre inconscient s'organise à sa manière pour prendre soin de ce qui est important pour vous. Votre inconscient apprend pendant que certaines pensées traversent votre esprit, pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent, engendrent d'autres pensées, comme une valse, de pensées en pensées. Sentez-vous libre de voyager en imagination, tandis que l'inconscient lui s'occupe des émotions qui peuvent se transformer en un océan infini de sensations agréables. Et la respiration peut continuer un peu plus profondément, comme s'il s'agissait des vagues de cet océan, parfois hautes, parfois basses, comme être dans un berceau de plumes, tellement douce et légère qu'à chaque inspiration et souffle, vous vous sentez vaciller, confiant, tranquillement, comme un enfant dans un berceau, tranquillement, pendant que votre inconscient façonne à tous les niveaux et en profondeur l'état hypnotique profond pour votre harmonie intérieure, votre équilibre naturel
Alors que vous, vous ne pouvez pas ne pas vouloir vous détendre davantage. Vous ne voulez pas ne pas pouvoir vous détendre davantage. Et vous pouvez permettre de laisser le temps au temps de prendre tout son temps. Et la musique peut se transformer en un chemin d'équilibre qui vous conduit par-delà vous-même, en conscience. Et vous pouvez jouer avec émotion et pensée, les laisser venir, valser, s'unir entre elles, les accueillir comme elles sont, simplement les moduler, construire, trouver pour vous un endroit où vous vous sentez bien, protégé. Un endroit imaginaire issu de vous-même. Peut-être que ce sera la plage, ou bien la montagne. Parfois, il arrive que ce soit la campagne ou la forêt. Mais, dans tous les cas, une chose est commune à tous. C'est votre endroit à vous. Et parfois, il y a des images, on voit des choses. Parfois, il y a juste des sensations. D'autres fois, même des sons. Puis, des fois, on se dit « Ah, ça serait comme ça, et il y aurait ça et ça. » Parfois, ça nous dépasse. Et alors, prenez le temps de réfléchir, de définir ce qui vous plaît, en balayant chacun de vos sens. Pendant ce temps, tout ce que vous êtes optimise à tous les niveaux. Et, avec votre accord, un sentiment profond que vous cherchez avec plaisir. Ainsi, nous pouvons commencer à votre rythme par la vue. S'il y a des images dans votre monde intérieur, ce qu'il s'y trouve, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que le ciel est dégagé? Peut-être y a-t-il du soleil? Ou bien c'est une belle nuit tapissée de son manteau d'étoiles. Peut-être y a-t-il aussi des nuages de coton tout doux et agréables dans le ciel. Peut-être êtes-vous en intérieur. Et le sol, comment est-il? Qu'est-ce qui se trouve à proximité autour de vous? Vous êtes libre de choisir, car c'est votre moment à vous, unique. Pendant que l'inconscient met à profit paisiblement et de façon autonome le chemin subtil pour vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Et, en fait, peut-être qu'autour de vous, il y a des sons, des vibrations, comme le bruit du vent, ou bien celui des oiseaux qui chantent, peut-être. Voir le bruit d'un cours d'eau ou d'une cascade qui s'écoule à son rythme. Voir d'autres sons encore plus subtils, comme les vibrations de la vie qui vous entoure et la voix qui accompagne, de se confondre avec le souffle du vent, devenir le chant des oiseaux, être la voix d'un, une amie qui nous est chère, cette voix qui rassure. Et là, celle d'un proche important, la voix de la nature, de l'univers. Et peut-être y a-t-il de la musique? Car je ne sais pas ce que vous ne savez pas et vous ne savez pas ce que nous ne savons pas. Pendant qu'une partie de vous transforme inconsciemment et en toute sécurité un avancement bénéfique. Pour soulager. Et derrière ces images, sont peut-être y a-t-il des sensations, peut-être le vent circule le long de vos mains, ou bien quelque chose les réchauffe comme les rayons du soleil. Peut-être qu'il y a des choses douces autour de vous. Ça, c'est vous qui choisissez.
et vous pouvez même en ajouter ou en modifier à votre guise. Peut-être même qu'il y a des compagnons de route, comme un ou des animaux. Peut-être même parle-t-il. Vous avez tout le temps de prendre tout votre temps pour choisir ce qui vous correspond. Pendant que quelque chose en vous façonne doucement et facilement un lieu d'énergie dont vous avez besoin pour du mieux-être au quotidien. Ainsi, sentez-vous libre de laisser les effluves se dévoiler autour de vous à votre rythme. Devenez curieux de découvrir chaque senteur nouvelle, le parfum des fleurs s'il y en a, le parfum de la nature, de la saison, de la vie, le parfum du ciel, des étoiles, les parfums de votre monde idéal, de la terre-mère. Car ce qui écoute en vous enrichit simplement et à votre rythme l'apprentissage utile pour la découverte de votre chemin. Enfin, devenez curieux de découvrir les différentes saveurs de votre monde. Peut-être y a-t-il des arbres fruitiers. Goûtez l'un des fruits. Régalez-vous. Peut-être y a-t-il de l'eau. Quel goût a-t-elle? Peut-être y a-t-il tout un tas de bonnes choses. Profitez. Vous êtes chez vous, en sécurité. Pendant que les frontières du réel et de l'irréel s'estompent en un univers commun, pendant que les champs anciens parsèment les graines de Morphée, se confrontant en prière. Ainsi, la respiration calme et apaisée permet au corps de se détendre davantage, et le corps détendu davantage diffuse l'état hypnotique plus profond, comme un sachet de thé diffusant son parfum dans l'eau. L'état hypnotique plus profond permet à la respiration de s'apaiser davantage, comme une boucle. Il suffit de ne pas vouloir savoir faire et laisser faire à faire ce qui est nécessaire de faire, car l'inconscient fait cela parfaitement bien. Les paysages ainsi dessinés, alors l'aventure peut commencer. Il suffit de trouver la lumière, la source qui éclaire votre monde, qui vous permet de voir. Peut-être est-ce les rayons du soleil, ou la lumière d'une lampe, d'une bougie, voire d'un feu de bois, voire autre chose. Imaginez simplement le rayon de lumière se déposant sur vous, comme un halo de lumière doux et chaleureux qui danse sur vous, qui danse avec chacune de vos petites cellules pour les ressourcer, les illuminer comme plein de petites ampoules. Et le rayon pur, transcendant, vous englobe et va même par-delà vous-même, pénétrant la terre-mère et allant jusqu'à son noyau. La terre, elle, faisant écho à ce rayon de lumière, en répondant par un rayon de terre, remontant jusqu'à vous, où rayons de lumière et de terre unissent leur énergie, ne forment qu'un, et se mélangent dans un mouvement en spirale doux et somptueux, comme celui de la Voie lactée. Ainsi, cette énergie sacrée, l'énergie de la vie majuscule,
s'inscrit en vous et vous permet de vous régénérer entièrement. Pendant que les sons s'estompent, que la chaleur ambiante se transforme en douce caresse et augmente la bienfaisance des sensations, alors que vous profitez de cette énergie qui cristallise, imaginez qu'elle se concentre en vous pour former une sphère parfaite, diffusant sa légèreté. Et cette sphère grandit, s'étend de plus en plus et devient de plus en plus légère et subtile en vous, comme une bulle qui finit par vous entourer et qui se met finalement autour de vous, comme un cocon d'univers. À l'intérieur, cela fait comme un bain radieux, où légèreté et bien-être s'entremêlent, corps, esprit, pensée, émotion, expérience, amour. Chaque élément redevient le tout, et la valse silencieuse peut alors commencer, pendant que les secondes s'égrènent dans ce temps irréel. Ainsi, abrité dans le cocon originel, un chemin apparaît. Au loin, une arche de pierre ancienne se dresse. Avancez confiant et traversez l'arche du Créateur. Derrière, celle-ci se dessine de nouveaux paysages. L'aurore diffuse sa douce lumière chaude sur les jardins fleuris du printemps, pendant que l'effluve délicate des fleurs imprègne votre âme. Un ruisseau se dessine près de cette étendue de fleurs, où une cascade bleutée s'écoule sur le rocher. Des oiseaux, quant à eux, chantent la douce symphonie du renouveau, de la fertilité. Dans cette réalité, où l'aurore diffuse sa douce lumière chaude et tamisée. Ainsi, avancez, longez le ruisseau, profitez du moment. Le ruisseau s'agrandit, le paysage fleuri se transforme en une forêt agréable. Un lac se dévoile au loin. Arrivé, un vieil homme vous accueille. Bienvenue au lac des pensées endormies, où les étoiles veillent. Vous embarquez. Calme, sérénité sont les thèmes de ce voyage. Le vieil homme rame au rythme de la respiration. Ce même rythme ondulant, comme un berceau tranquille. Le ressac des rames sur l'eau se transforme en douce berceuse. Ainsi, dans ce calme reposant, vous pouvez observer la nature. La rive se dessine, accompagnée d'un pommier se reflétant dans l'eau. Le vieillard s'approche en ramant. Il passe sous le pommier et attrape l'une de ses nombreuses pommes. Mon enfant, tu auras besoin de force, dit-il. La texture de la pomme est douce. Il n'y en aura que quelques bouchées. Croquez dedans. La pomme se révèle être juteuse, légèrement acidulée et assez sucrée. L'effet est immédiat. Bien-être et confiance se diffusent dans le corps du rêveur endormi. Quant au vieillard, il continue de vous guider, toujours en ramant. Il vous accompagne à bon port, au fil des secondes qui s'égrènent dans ce temps irréel. Vous arrivez de l'autre côté. Un cerf vous accueille. Ses bois robustes sont élancés vers le ciel et captent les rayons du soleil. Impassible,
et majestueux. Il vous attendait. Il s'approche de vous et vous salue avec une révérence. Il vous invite à monter sur son dos. Il veut vous guider. Alors, sentez-vous libre. Approchez-vous. Passez votre main le long de son pelage soyeux. Et montez sur son dos. Ainsi, vous voilà reparti à l'aventure. Le vieil homme vous souhaite bonne route et retourne de là où il est venu. Le cerf, lui, avance au trot, pendant que vous sentez la brise du vent caresser vos bras, qui murmure dans les feuilles, qui se confond avec la voix, ou peut-être est-ce la voix qui murmure dans les feuilles, caresse vos bras de douces vibrations, pendant que vous pouvez remarquer que chaque pas, de fait, transforme le sol, le régénère en fleurs de printemps. Une balade onirique au plus profond de soi-même qui ne fait que commencer. Pour vous, amener jusqu'à l'arbre sacré, votre arbre. Il commence à se dévoiler devant vous, immense et céleste. Il règne ici depuis le début des temps. Votre compagnon vous dépose à son tronc et part s'allonger. Il veille sur la forêt. Il veille sur vous. Vous êtes au pied de votre arbre. Regardez en l'air. Les rayons du soleil vous réchauffent en même temps qu'une pluie de plumes se dépose sur vous. Dépose ses caresses. Et crée un foyer naturel de douceur dans la féerie de la vie. Ainsi, le dormeur endormi se repose au pied de l'arbre et rêve à des jours meilleurs. Pendant que le corps se régénère, structure en lui tous les éléments nécessaires. Pendant que le dormeur endormi peut dormir profondément, s'autorise à dormir d'un sommeil profond et régénérateur pour le lendemain. Part dans les bras de Morphée, dort profondément au pied de l'arbre sacré.